joyeux remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Que Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Pierre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au peu des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au peu des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Nous sommes dans un grand séminaire pendant lequel nous exposons la sorcellerie familiale. Après avoir cité 4 ou 5 piliers de la sorcellerie familiale, nous abordons cette semaine le 6e pilier. Et ce 6e pilier, nous l'appelons le mauvais œil. Nous l'appelons le mauvais œil. C'est cet esprit qui fait en sorte que lorsque certaines personnes sont au courant de ta chose, ça se gâte. C'est cet esprit qui fait en sorte que lorsque certaines personnes voient ton projet, ça se détruit. Cet esprit qui fait en sorte que lorsque certaines personnes sont au courant de tes ambitions, les problèmes commencent. Il y a plusieurs personnes dans l'église qui ont les bonnes intentions, qui ont une bonne moralité, qui ont une bonne volonté, mais parce qu'ils ont été naïfs, ils ont dit ce qu'ils ne devaient pas dire, et des problèmes sont arrivés dans leur vie. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. La première chose pour combattre le mauvais œil, c'est d'apprendre à se cacher. Tout ne doit pas être dit. Tout ce qu'on fait pour toi ne doit pas être révélé. Toutes les personnes que tu connais, tu ne dois pas en parler. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient que c'est en faisant la publicité de ce qu'on leur fait, de ce qu'on leur dit, qu'ils vont se sentir plus importants. La vraie puissance dans la vie d'une personne réside dans sa capacité à cacher le fait qu'elle soit puissante. La vraie puissance dans la vie d'une personne est liée à sa capacité de faire croire aux gens que la personne là n'est pas puissante. Quand on connaît ton devant, ton derrière, quand on connaît là où tu commences et là où tu peux finir, quand on connaît comment tu te fâches et comment tu ris, quand on connaît toute personne sur qui tu comptes, on peut facilement te cerner. Aujourd'hui, on a des parents qui racontent l'histoire de leurs enfants à tout le monde. L'enfant intelligent, tout le village est au courant. L'enfant est sage, tout le village est au courant. L'enfant a un projet, tous les voisins sont au courant. Est-ce que tu sais que parmi ceux qui sont au courant, plusieurs ne sont pas contents? Et laisse-moi te dire, même Jésus qui était Dieu,
Même Jésus qui était Dieu a eu besoin de se cacher, de se mettre à l'abri du regard de Hérode. C'est-à-dire Jésus est Dieu. Et Satan même lui a dit dans le désert que les anges de ton père peuvent te porter si tu tombes. Non, Jésus avait à sa disposition des myriades d'anges. Mais Dieu a préféré que Jésus se cache. La Bible dit qu'un ange est venu nuitamment. Il a dit à Joseph, prends le petit et sa mère et va les cacher. Va les cacher. Va les cacher. Est-ce que tu es obligé d'exposer le nouveau-né sur Internet? Est-ce que tu es obligé de faire comprendre aux gens que tu enceintes? Est-ce que tu es obligé de nous montrer sur Internet ta nouvelle voiture? Je te parle de Jésus qui est Dieu. Dieu dit à Joseph, va le cacher. Si Hérode le voit, il le tue. Il y a beaucoup de choses que Dieu vous a données, mais parce qu'on a vu, on a tué. Nous lisons Matthieu chapitre 2. À partir du verset 13, il est écrit. Il est écrit verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Voici un ange qui vient en songe. Vous croyez que Dieu va vous garder quand vous faites les bêtises? Vous pensez que Dieu va vous garder quand vous faites la folie? Si Joseph avait refusé d'obéir à l'ange, Hérode voyait Jésus, il le tuait et le monde n'allait jamais être sauvé. Toi, il y a un projet divin pour toi, ou bien un projet divin pour ta famille qui doit se réaliser au travers de toi. Si on te tue, c'est mort. Parfois on tourne en rond, on prie, on jeûne, mais celui qui devait nous sortir de la galère est déjà mort. Celui qui devait nous épouser est déjà mort. Celle qui devait nous faire l'enfer est déjà mort. Parce qu'au temps où elle devait se cacher, elle a été exposée. L'ange vient dans la nuit, il vient dire à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Même si Jésus n'est pas ton enfant, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, tu reçois à l'instant l'ordre de le prendre et d'aller le cacher en Égypte, qui est le symbole du péché. Pour sauver Jésus Dieu, Dieu va le cacher au milieu des méchants pour le mettre à l'abri d'un autre méchant. Reprends. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que. Quand l'ennemi de ta vie est encore plus fort que toi, ne l'affronte pas. Fuis. Quand celui qui veut tuer tes enfants est plus fort que toi, cache tes enfants. Fais-les fuir. Beaucoup ont vu leur vie détruite parce qu'ils ont utilisé le nom de Jésus comme un fétiche. J'irai dans mon village au nom de Jésus. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller? Ou bien pour cette saison, Dieu t'a dit de te cacher? Il y a des constructions que vous devez faire en cachette. Il y a des projets que vous devez faire en cachette. C'est-à-dire qu'on regarde, on ne sait pas que ça t'appartient. Beaucoup ont vu leur vie être détruite parce qu'on a appris qu'ils ont les grandes ambitions. Cache ce que tu fais. Cache ce que tu penses. À partir du rêve de Joseph, on l'a tué. Joseph n'avait même pas encore les moyens pour réaliser ses projets. Juste les ambitions, juste le projet, juste le rêve, parce que ça n'a pas été caché. On l'a vendu. Prends le petit et sa mère, va les cacher en Égypte, à l'abri du regard d'un sorcier appelé Hérode.
Quand tu sens que dans ce quartier, les gens n'aiment pas tes enfants, amène-les ailleurs. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Chers parents, si tu n'as plus rien à gagner, rien à perdre dans ta vie, tes enfants ont encore des projets. Cache-les. L'erreur de plusieurs personnes, c'est que ceux qui débutent veulent se comparer à ceux qui finissent. L'erreur de plusieurs personnes, c'est que ceux qui montent veulent tricher ceux qui descendent. L'erreur de plusieurs personnes, c'est que ceux qui ont les ambitions veulent copier ceux qui n'ont aucune ambition. Quand je n'ai pas d'ambition, j'ai raté ma vie, j'ai tout perdu dans la vie, je peux m'exposer. Mais quand j'ai des ambitions, je dois me cacher. Un certain âge, on dit seulement à Dieu, garde mon cœur de la méchanceté, de la rancune, de la jalousie, donne-moi de quoi manger, aide mes enfants, aide ma vie et fais-moi mourir dans le Seigneur. Un certain âge, voilà les prières qu'on fait. Mais à un autre âge, on dit à Dieu, je dois bâtir, je dois investir, je dois réaliser, je dois être nommé. Quand tu as encore les ambitions, apprends à te cacher. Ce qui est bizarre, c'est que c'est ceux qui n'ont plus les ambitions qui parfois se cachent. Et ceux qui ont les ambitions s'exposent. Est-ce que l'effet de mode lié aux réseaux sociaux ou bien c'est un envoûtement? Prends le petit, va le cacher. Parce que Hérode a la capacité de voir à un enfant une royauté. Vous voyez que Jésus est un enfant, mais Hérode verra que ça là, ce n'est pas un enfant, c'est un roi. Quand tu accouches un roi, quand tu commences un grand projet, quand tu es une étoile, ceux qui ont les yeux voient. Parfois on te dit ça dans les blagues. Mais tu continues à t'exposer. Après, on va te détruire. Tu vas accuser les gens. Fuis en Égypte et reste-y. Jusqu'à ce que je te parle. Il y a des batailles que tu ne devais pas livrer tant que Dieu ne t'a pas parlé. Tant que Dieu ne te parle pas, il y a des ennemis à éviter. Il y a des sorciers à éviter. Il y a des combats à éviter. Il y a des affrontements à éviter. Tu n'es pas suffisamment près, jeune sœur, pour répondre à ton père sorcier. Évite-le. Tu n'es pas suffisamment près, jeune frère, pour affronter en regardant à les yeux ton oncle sorcier. Évite-le. Ce n'est pas parce que tu as les diplômes en droit, en sciences économiques, en français, que tu penses que tu peux affronter un sorcier. En journée, tu lui parles au gros français. La nuit, mange ton foie. Dès qu'un enfant a fréquenté, il va s'exposer au village. Il commence à parler mal à tout le monde. Mais petit, on va te manger. Apprenez à vous cacher, jeunes gens. Chers parents, parlez aux enfants. Il y a des batailles où les enfants ne parlent pas. L'enfant se cache et le parent parle. On attaque ton enfant, tu le caches derrière toi et tu parles à sa place. Beaucoup de parents ont exposé leurs enfants. Ah, c'est ta famille va parler. Écoute-moi bien. C'est pour ça que Dieu vous donne des mères. Parce qu'il y a des pères inconscients. Il y a aussi des pères mères. Il y a des papas qui ont la capacité de cacher leurs enfants. Mais c'est le rôle d'une mère de cacher. C'est le rôle d'une mère de couvrir. Parce que la cachette d'un enfant a commencé dans le ventre de sa mère. Une fois sorti du ventre, elle peut encore avoir la capacité de le cacher par sa parole. Quand l'ennemi parle mal à l'enfant, tu peux parler aussi. Et ce qu'il dit ne l'atteint pas ton enfant. Chers parents, chers aînés, apprenez à cacher vos enfants.
Apprenez à cacher vos enfants. Learn how to hide your children. Jusqu'à ce que je te parle. Until I talk to you. Jusqu'à ce que je te parle. Until I talk to you. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Dès qu'il va le voir, him, il va le tuer. He will kill. S'il ne le voit pas, il ne le tue pas. He won't kill. On voit ton projet, on détruit. On ne voit pas, on ne détruit pas. On voit tes enfants, on détruit. On ne voit pas, on ne détruit pas. Il y a une qualité de bataille dans la famille. On dit, il y a réunion, il y a mariage, il y a deuil. Dieu te parle. Et tu dis, tout le monde part, sauf toi. Frère, sœur, quand Dieu t'a dit ça, et qu'il te dit, tout le monde peut partir, sauf lui, sauf elle, obéis. Il y a des parents. Après, on part. Let's go. À la fête, il n'y a pas que la fête. Pendant les fêtes, il y a les meurtres spirituels. Pendant les deuils, il y a les morts. C'est pendant deuil qu'on choisit le prochain à tuer. Quand tu sais qu'il y a un rassemblement familial, soit pour une fête, soit pour un deuil, parle à Dieu en tant que mère, en tant que père, et demande à Dieu qui part, qui ne part pas. Chers parents, parfois partez représenter vos enfants. Nous, on avait atteint un niveau, quand certains sorciers entraient à la maison, notre mère dit, allez vous cacher dans la chambre. Mais toi, comme tu calcules le 500, le gros 500 de l'époque, de l'oncle, tu appelles l'enfant, viens saluer tonton, parce qu'il va donner gros 500. À l'époque, quand tu donnes le gros, non, c'est le gros 50. Quand tu donnes le gros 50, tu crois qu'on t'a donné 5 millions. Non. Et quand on compte le gros 50 au petit, et que le tonton part, la mère l'attrape. Où est le gros 50 là? Donc pour un gros 50, tu vas aller livrer l'enfant. Quand le sorcier vient voir son frère, cache les enfants dans la chambre. Envoie-les chez les voisins. Send them to the neighbor. Ne les expose pas. Don't expose them. Mais toi, tu montres même sur Internet. You even show on the Parce que Internet. Vous mettez tout sur Internet. Because you expose everything on Bébé Internet. Sur Internet. Baby. Le gros ventre sur Internet. Your les projets sur Internet. Les enfants sur Internet. Children. Le mariage sur Internet. Marriage. Les problèmes sur Internet. Problem. Les solutions sur Internet. Solutions. Si Hérode le voit, if Herod sees you, Hérode va le tuer. He will kill him. Il cherchera le petit enfant pour le tuer. He will seek the baby boy to kill him. Verset 14. Joseph se leva. Prit de nuit le petit enfant. Dans la nuit. J'ai posé la question ici un jour. As a question here one day. Est-ce que l'ange a posé la question, est-ce que tu as les moyens pour gérer? Did the angel ask him? Joseph s'est seulement levé. Écoute-moi très bien. Quand tu es dans une famille de sorcellerie, chers parents, je m'adresse aux parents et aux aînés de famille. Quand tu es dans une famille de sorcellerie et que Dieu met à ta charge des personnes que tu dois cacher, Dieu te donnera toujours les moyens pour les cacher. Dieu te donnera toujours les moyens et la sagesse pour les cacher. Ne me dis pas que je n'ai pas l'argent. Le Dieu qui t'a donné les petits frères, le Dieu qui a donné les enfants, tu en as adopté plusieurs. Ce Dieu te donnera les moyens pour cacher ce qui ne doit pas être détruit. Il dit, va en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Et je te pose une question bête. Allez prendre la chambre d'hôtel ou l'appartement en Égypte pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Joseph avait l'économie de ça. Did Joseph save money? Est-ce qu'il a prévu ça? Joseph savait. Le Dieu qui lui a dit cache l'enfant allait pouvoir. Vous exposez parfois vos vies parce que vous ne comprenez pas que celui qui a dit cache-toi va te donner les moyens pour te cacher. Ne me dis pas que je ne sais pas comment je vais fréquenter l'année prochaine. Ne me dis pas que je ne sais pas comment je ferai pour payer mon loyer. Je crois qu'on est dans une église où on sait un Dieu vivant. Le Dieu qui t'a appelé va t'aider à cacher tes enfants, va t'aider à protéger ta vie, va t'aider à protéger ta famille. Toi qui promènes les regards inquiets, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Seigneur t'aidera. Amen.
Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Oh, ton amen me dérange. Joseph se leva dans la nuit, aucune banque n'est ouverte. Joseph got up at night, no bank is open. Il se retire. And he withdrew himself. Avec la mère et le petit enfant. The mother of the baby boy. En Égypte. Egypt. Jusqu'à ce que Hérode meure. Until Hérode died. Si ça fait 5 ans. It's about 5 years. J'attends. I'm waiting. Mais Dieu n'est pas puissant. Pourquoi il n'affronte pas Hérode? Calmez-vous. Hein. Vous partez au village n'importe comment, là, calmez-vous. Hein. Go to the village anyhow, calm down. Vous amenez les enfants et calmez-vous. Hein. Children, calm down. On ne prêche pas la peur. Don't preach fear, mais dans la foi, but in faith, il y a la sagesse. There is wisdom. Amen. Calmez-vous. Calm down. Il y a des problèmes de famille. Your family problems. Où vous devez seulement envoyer la cotisation. Where you must just send your contribution. Vous ne montez pas le corps. You don't go to show il y a des yourself. Rencontres où on a préparé ta chaise. Some encounters, they prepare your chair. Tu pars là-bas, tu t'assois, c'est fini pour if toi. You go there, you see, it's over for you. Beaucoup d'hommes ont eu des AVC. Many men had stroke. Parce qu'ils sont allés s'asseoir sur les chaises. Because they sat upon chairs. Préparés d'avance. Prepared before. Hmm. On a marché avec les gens, on a vu des choses. Hein. We walk with people, we saw things. Vous allez remarquer que la plupart des hommes politiques vont dans les réunions avec leurs chaises dans le pick-up. Most of politicians go to meeting with their chairs in their car. La plupart, tous même généralement maintenant. Oh, generally now. Voyage avec leurs chaises. Travel with their chair. Un jour, on était dans un meeting en 2011. One in a meeting in 2011. On arrive au meeting avec le ministre. Once in a meeting with the minister. Et une jeune petite fille de moins de 10 ans lui offrait le bouquet de fleurs. A young girl of less than 10 years were offering flowers. Et pendant que la jeune fille s'approche pour saluer le ministre pendant qu'on arrive. While she's coming close to greet the minister as we're coming. Un gars du village est sorti, il a arraché le bouquet de fleurs. A guy snatched the flower. Il a dit, vous ne faites pas ça ici. He said, don't do this. Et on s'est effrayé. And we were scared. Quelques minutes après, some minutes later, le bras du gars a commencé à gonfler. His arm started swelling. On a compris pourquoi il a arraché. He understood why le bouquet snatched. Était préparé pour détruire. Flower were prepared to destroy. Le ministre. Minister. Et lui, il a vu. And he saw. Il a vu. He saw. Il y a deux types de problèmes. There are two kinds of problems. Il y a des attaques qu'on reçoit attacks we receive, pendant qu'on doit encore se cacher. While we must still hide ourselves. Il y a des attaques qu'on reçoit there are others attacks we quand receive, on n'a plus le choix, on doit s'exposer. While we must expose ourselves. Il est déjà autorité politique. Political il doit partir au meeting. Must go to the qu'est-ce qu'il faut faire? Why must he do? Je commence d'abord par parler à ceux qui doivent encore se cacher. I start talking first to those who must still hide themselves. Ce soir, je m'adresse d'abord à ceux qui doivent encore se cacher. Tonight, I'm talking to those who must still hide themselves. Tu n'es pas prêt spirituellement. You're not spiritually ready. Tu n'as pas la connaissance qu'il faut. You don't have the necessary tu n'as pas l'onction qu'il faut. You don't have the necessary tu n'as pas bâti les hôtels qu'il faut. You don't have the necessary tu n'as pas le feu qu'il faut. You don't have the necessary tu n'as même pas l'âge qu'il faut. You don't even have the necessary cache-toi. Hide yourself. On ne se lève pas. We don't et on prend la parole parce qu'on a fait l'école théologique ou parce qu'on a eu les diplômes. Pour prendre la parole devant les sorciers, il faut avoir été préparé. Qui t'a dit que tous ceux qui s'assoient à l'église sont les enfants de Dieu? Qui t'a dit que tous ceux qui viennent à les réunions sont là pour tes beaux yeux? Est-ce que Dieu t'a préparé spirituellement avant de te dire parle? Même Jérémie lui dit, c'est le moment. Et Dieu touche sa bouche. Et en touchant sa bouche, il lui donne une onction qui donne la capacité de parler sans qu'il y ait des représailles. Ou bien s'il y a des représailles, ça ne lui fera rien. Jésus va être un jour exposé. Mais en attendant, il doit d'abord être caché. Est-ce que le temps pour toi the time for you d'être exposé arrivé be exposed, has it tu come? Ne fais que deux semaines à l'église spend two deux mois church, à l'église tu veux déjà aller t'exhiber dans ta belle famille you want to expose yourself alors que your family tu connais more. Le niveau de sorcellerie qu'ils ont you know the level of est-ce que c'est le moment is it the time de quitter de là for you to leave there? Pour là this from there. Est-ce que tu as reçu le signal? Have you received the signal est-ce que tu as reçu le signal, have you received the signal? Beaucoup de chrétiens appellent
peine ils sont nés de nouveau. Many Christians are born à peine ils se sont baptisés. Verily, the God baptized. À peine ils ont connu le Seigneur. Verily, they knew the Lord. Ils sont tout excités. They are so excited. Ils veulent tout faire dans le lieu de service. They want to do everything in their job site. Une de mes filles m'écrit il y a 2 semaines. One of my daughters wrote me 2 weeks Elle commence à me demander pardon. She started apologizing. Elle me demande pardon. She apologized. Je dis, il y a quel problème? What is the problem? Elle me dit, j'étais attaché dans mon cœur, mon père. I tied you in my head, tu m'as attaché pourquoi? Why did you tie elle cherchait une nomination dans son là où elle travaille. She wanted a nomination in your job site. Et elle est venue me voir. She came to see je lui ai dit, fais un sacrifice. I said, make a sacrifice. Et je ne peux pas prier pour cette nomination. On l'a promis. Hein. She was promised. Mais je lui ai dit, fais le sacrifice pour ta vie. Make the sacrifice for your et life. Elle n'avait pas eu l'argent. She didn't have money. Et je n'ai pas prié pour elle. And I didn't pray et for ça l'a énervé. And she became que comment on n'a pas l'argent dans cette église, money, on ne prie pas pour les gens. Pray for people. Écoute-moi, elle me demande pardon. Pourquoi? Why? Après elle, after her, on a nommé une personne. Appointed one elle person, est morte. Deuxième personne, so elle est morte. Died. Elle est venue me demander pardon. She came to apologize. Sous-directeur. Assistant manager. On a nommé une femme. A woman was un homme. The man. L'homme est mort. The man died. On nomme la femme. A woman, elle meurt. She died. Elle se rend compte que c'est elle qui devait mourir. She had to die. Yes. Elle est venue me demander pardon. Dans cette église, on ne prie que pour les gens qui ont l'argent. Toi, on t'a gâté au village. Tu es possédé par un esprit de sorcellerie, de méchanceté qui n'a pas de sens. Quand je te donne une instruction, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. Il te faut une couverture. Si elle t'exige un sacrifice, fais-le. Tu peux payer ta vie à 50 000. Can you pay your life to 50, tu peux payer ta vie à 100 000. 100, même à 1 million. Even 1 million. C'est quand elle a vu 2 gogos mourir. Je te parle des gens qui ont des marabouts. Ils ont pratiqué pour être nommés. Ils sont morts successivement. C'est là qu'elle se réveille que, hey, le type-ci ne me détestait pas. Pourquoi je l'ai attaché dans mon cœur? Vous venez ici avec vos fantasmes et vos émotions. Qu'on parle du spirituel. Obéissez. Si on te dit sacrifice, fais le sacrifice. Make the sacrifice. Elle aurait jeté, elle aurait abandonné ses petits enfants qu'elle vient d'accoucher. She will have abandoned her children. Je lui dis, fais un sacrifice. I said, make a sacrifice. Elle dit que si on n'a pas l'argent, il ne prie pas pour nous. You, tu crois que c'est là, toi, tu peux me payer? Do you think that you can pay me? Toi, tu peux me payer? Can you pay me? Oh. Quand vous rencontrez les jeunes pasteurs, les petits pasteurs qui ont faim et qui comptent sur vos 50, 100 000 pour pouvoir payer leur loyer, mais dites-vous bien que eux là, ils ont besoin de cet argent. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Elle serait morte si elle se serait assise sur la chaise là. Il y a des places qui tuent. Il y a des élévations qui détruisent. Il y a des promotions qui enterrent. Quand la sorcellerie commence à te déranger, tu ne viens plus à l'église et tu commences à me critiquer chez toi. Oh, il y a trop, on parle trop d'argent là-bas. Écoute-moi très bien. Si tu aspires à la gloire, tu vas sacrifier. Si tu ne sacrifies pas, on va te sacrifier. Tu connais quoi? Tu connais quoi à part préparer la sauce d'arachide? Et tu connais quoi? Il ne faut pas m'énerver. On vous parle des choses de la vie. You are talking about what il aime trop l'argent. Life. Tu ne peux pas payer l'onction. You cannot pay anointing. Il y a des places there are some seats qui méritent qu'on verse le sang that is a blood to pour y accéder. In order to have quelqu'un access. Me raconte l'histoire d'un grand un jour. Somebody told me the story of on a lui propose une grande élévation. A great il a regardé dans les yeux, il a dit, j'ai les petits-enfants. He said, I have excusez-moi, children. Laissez-moi là où je suis. Please. J'ai encore les petits-enfants. I still have c'est la convoitise qui vous fait croire que vous devez accepter tout ce qu'on vous propose. On peut te proposer quelque chose et tu sens que tu n'es pas prêt. Tu refuses. Et si tu sens que tu es prêt, tu viens. Je te prépare encore. On ne se lève pas un matin. On commence à dandiner partout. On dit qu'on a l'argent, on est prospère. Calmez-vous. Calm down. On va vous manger. You'll be eaten. On va vous manger. You'll be eaten. Alors qu'il va à l'église, alors qu'il prie, mais comment on a fait pour le détruire?
C'est quand vos pasteurs ont peur de vous dire la vérité. Your pastors are afraid to tell you the Parce que si vous dites la vérité, if they tell vous allez dire truth, qu'ils aiment trop l'argent. You say they love money Montez, so descendez. Go up or come Tout down. Ce qui est gloire All what is glory passe par sacrifice. Comes to sacrifice. Faites ce que vous voulez, critiquez qui vous voulez, sabotez qui vous voulez. Si want. Tu ne sacrifies pas, you don't sacrifice, on va te sacrifier. You'll be sacrificed. J'ai dit à quelqu'un un jour, day, il y a une qualité de combat qu'on mène. Kind of celui qui le mène, s'il it. Ne s'appuie pas sur des sacrifices, c'est lui qui sera sacrifié. Dans 2 Rois chapitre 3 verset 26, King, 3, verse un 26, roi moabite était attaqué par les juifs. Il était en train de perdre la bataille. Il a pris son armée d'élite pour relever la tête. Et ça n'a pas marché. Il a compris qu'à ce moment, il faut un sacrifice suprême, un sang frais. Il faut sacrifier un héritier. Il faut sacrifier un héritier. Il a pris son fils qui devait régner à sa place. Il a tué. Quand le sang a coulé, il a eu la victoire. Va lire ça chez toi, on ne lit pas. Va lire ça chez toi. Vous venez à l'église. Come to the church. Et vous vous amusez. Play. On m'a promis, si c'est grand, if it is great, et que ça ne s'appuie pas sur un sacrifice, it doesn't rely on a on sacrifice, va te tuer. You'll be killed. Quelqu'un peut te promettre avec le bon cœur, somebody can promise you with mais a la good place heart, là, but that seat c'est une place à problème. Has a lot of problems. Vous me regardez à la télé, you're watching on TV. Vous aspirez à la gloire, you aspire to glory. Vous sacrifiez quand? When do you sacrifice? Vous sacrifiez où? Where do you sacrifice? Jésus a tout accompli. Jesus fulfilled everything. Reste au village. Stay in your village. Dormez dans les églises. Sleep in ne cherchez pas la grandeur. Don't look for greatness. Jésus a tout accompli là. Jesus fulfilled everything. Ne sortez pas. Don't go out. Vivez à l'église. Live in the church. Deux personnes sont mortes devant elle. Two people died before her. Et c'est là qu'elle se rappelle. That's what she remembered. Que ce que je lui avais demandé de faire, c'était pour sauver sa vie. What I asked her to do was to save her life. Tu construis une grande maison. To build a great house. Comment va-t-elle laisser comme ça? You think they will let you go like Au that? Milieu de ceux qui n'ont pas de maison. In the midst of those who have no house. Tu as des privilèges du patron. You have privilèges on va te laisser comme ça? You think you will be le mauvais œil? Left with the evil eye. Si tu n'as pas encore sacrifié, cache-toi. If you have not yet sacrificed, hide yourself. Si tu n'es pas prêt à sacrifier, cache-toi. If you are not ready to sacrifice, hide yourself. Quel qu'en soit le temps que ça prend, ils vont t'achever. No matter the time it will take, they will end with you. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. The careful man sees evil from far, he hides. Les simples avancent, ils se perdent. Simple move forward and il y a des élévations qui tuent. Some elevations kill. Il y a des agents qui exposent. Some kind of money il y a des promotions qui exposent. Some promotion exposed. Il y a des bonnes relations qui exposent. Some relationship exposed. Il y a des bonnes relations qui exposent. Some relationship that exposed. Il y a des bonnes relations qui exposent. Some relationship that exposed. Que toi qui who are pour you marcher avec milliardaire, to work with a toi qui who are pour marcher avec président, to work with toi the qui who pour marcher avec première dame, to work with the first lady. Ça expose. It exposes. Quand tu n'es pas prêt, when you are not ready, cache-toi. Hide yourself. Ce qui est bizarre avec vous, what is strange with plus you? On vous élève, plus vous êtes distrait. The more you are lifted up, the more you are distracted. C'est quand on vous élève que vous ne priez plus. When you are lifted up, you no more pray. Vous avez un peu d'argent, you have a little vous fuyez l'église. You flee the church. Mais vous êtes bête. Hein? You are stupid. Les satanistes sont plus concentrés dans les pratiques pendant qu'on les élève parce qu'ils savent élévation rime avec exposition. Toute personne exposée est vulnérable. Je disais à un fils, là où tu es là-bas, les dossiers que tu cherches actuellement là, tu es exposé. Tu as besoin que nous on te couvre. Et ça se passe sur l'autel. Tu dis viens à l'église, je te couvre à l'autel. Tu es chez toi, tu dis amen en touchant le téléphone. Il faut te calmer. Il y a des combats qu'on mène sur l'autel. Les autres, others, quand ils veulent équiper leurs gens, people, ils les amènent sur leurs hôtels sataniques. Quand tu restes à la maison, tu ne viens pas à l'église home, et tu dis church. Vérité, vérité. Tu quittes la France, tu viens. France, tu quittes la Belgique, tu viens. Belgium, tu quittes l'Italie, tu viens. Italy, tu come. Quittes Canada, tu viens. Canada,
Jésus Jesus est Dieu. He's God. Mais il doit se cacher. But he must hide himself. Dans Luc 20, il a caché l'héritier plusieurs fois. He hid him many times. Après, il a exposé l'héritier. After he exposed him, ils ont dit, tuons-le. Let's kill him. Tuons-le. Let's kill parce qu'il n'a pas pu le cacher. Because he couldn't hide him. Dans Genèse chapitre 37, Genesis, chapter 37 quand ils ont vu Joseph de loin, when they saw Joseph at distance, ils ont commencé à comploter. They started plotting parce against, qu'ils ont vu. Because they saw. C'est généralement ce par quoi Dieu passe pour te bénir que tu dois d'abord cacher. Generally what God uses to bless you that you must hide first. Si Dieu t'a donné l'intelligence, cache ton intelligence. If God has given you intelligence, hide it. Si Dieu t'a donné la grâce, cache ta grâce. If God has given you grace, hide it. Si Dieu t'a donné un talent, if God has given you a talent, n'expose pas ça au milieu de ceux qui ne t'aiment pas. Don't expose that talent in the midst of those who don't love you. Ne me dis pas que tu ne sais pas qui ne t'aime pas. Don't say you don't know who doesn't parce que love ça you. C'est basique. Because it is basic. Ne me dis pas que tu ne sais pas qui ne t'aime pas. Don't say you don't know who doesn't love parce you. Que ça c'est basique. Because it is basic. Avant de t'exposer, il faut que tu te caches. Before exposing yourself, hide yourself. Il faut que tu te caches. Hide yourself. Joseph n'a pas été caché par son père alors qu'il connaissait le niveau de méchanceté de ses frères. Joseph was not hidden by his father, meanwhile he knew the level of wickedness of his brothers. Jacob connaissait le niveau de méchanceté de ses enfants. Jacob knew the level of wickedness of his children. Il connaît ce que Lévi et Judas ont fait à quelqu'un qui avait touché leur sœur. He knew what Levi and Judah did to somebody who touched their sister. Mais il n'a pas caché Joseph. But he didn't hide Joseph. Et ses frères l'ont attrapé. And his brothers caught him. Ses frères l'ont vendu. His brothers sold him. Ses frères ont failli le tuer. His brothers were about to kill him. Je t'enseigne d'abord la sagesse all, avant de prier pour toi ce soir. Tonight, il faut apprendre à te cacher. Learn how to hide. On n'expose pas tout. Don't expose everything. On ne parle pas tout. Don't talk about on everything. Ne montre pas tout. Don't show everything. On ne dit pas tout. Don't say everything. On ne fait même pas tout. Don't even do everything. On n'accepte pas tout. Don't accept everything. Quand tu n'es pas prêt, when you are not ready, tu peux refuser quelque chose. You can refuse something. Tu dis, je ne suis pas encore prêt. I'm not yet ready. Seigneur, je veux encore prier dans ta présence. God, I still want to pray in your presence. Est-ce que tu sais que le temps minimum, the minimum time qu'il faut prier dans la présence de Dieu, you need to pray in God's presence, avant de prétendre être prêt à affronter certains ennemis, before pretending to be ready to face some enemies, c'est 3 ans. It's 3 years. 3 ans non-stop à l'église. 3 years non-stop in the church. Tu n'as pas encore fait 3 ans assis à l'église. You have not yet been seated. Parole, for 3 years. Enseignement, connaissance, knowledge, service. Service. Tu veux partir où? You already want to go. La sorcellerie ecclésiastique witchcraft fait en sorte que beaucoup de chrétiens, in chat makes that many Christians, tu fais 2 mois dans une église et tu quittes. 3 mois dans une église et tu quittes. 3 months in the church you 2 semaines dans une église et tu quittes. 2 weeks in the church you on va leave. Te préparer quand? When will you be prepared? On va t'équiper quand? When will you be equipped? Quelqu'un me dira, mais moi j'ai fait 7 ans quelque part. Tu mens. You lie. Tu sais pourquoi? You know why? Tu as fait 7 ans et tu évolues en dents de scie. You spent 7 years and you were preparing le Dieu que je sais, the God I'm tu ne serving. Peux pas servir Dieu, you cannot serve obéir God. À Dieu, obey to pratiquer God. Les voies de practicing Dieu, the way marcher of God. Dans la volonté de work Dieu, in God's will. Être connecté toujours à Dieu pendant 3 ans sans grandir. Impossible. It is impossible. Tu as fait 8 ans dans l'église. Dans les 8 ans, 6 ans et demi de distraction. En train de parler des vies des gens, en train de faire des choses inutiles, en train de te distraire. Pendant que les autres cherchent leur vie, toi tu es dans la distraction. On te voit physiquement à l'église, mais ton cœur est emprisonné dans la sorcellerie familiale. Avoir fait 10 ans physiquement dans une église n'est pas synonyme d'avoir fait 10 ans spirituellement dans l'église. Donc quand tu veux compter ton nombre d'années de foi, ce n'est pas le nombre d'années linéaires qui fait ta foi, c'est le nombre de temps pendant lequel tu croyais en Dieu, tu comptais sur Dieu, tu obéissais à Dieu, tu faisais l'œuvre de Dieu. 15 ans de foi physiquement est parfois égal à 1 an de foi spirituelle. Donc quand tu viens voir un pasteur, mon révérend, moi j'ai cru en 93, j'ai cru en 94, j'ai marché avec le père sous faux, j'étais l'adjoint du père sous faux.
tu me parles le gros français. Mais tu oublies de dire que pendant les 30 ans là, tu étais un perdu. You were lost. Tu ne lisais même pas la Bible. Tu ne jeûnais même pas. Tu ne sacrifiais pas. De manière continue. Ta foi doit être calculée sur tes actions spirituelles faites non-stop. Tu arrêtes, tu recommences. If you stop, you restart. Tu tombes, tu recommences. You fall, you restart. Tu te décourages, tu recommences. You discourage yourself, you restart. Donc quand vous écoutez les gens dire, j'ai cru à l'église sans frontières dans les années 99, frontier, ça là c'est les mots. Those mais spirituellement, words, la personne est vide. The person is empty. Les titres que vous avez dans les églises là ne vous rendent pas spirituel. Your titles in churches don't make you spiritual. Les noms des prophètes que vous avez dans vos bouches ne vous rendent pas spirituel. The names of prophets in your mouth don't make you spiritual. Ce qui vous rend spirituel, what makes you spiritual? C'est votre parcours, is your background, c'est vos actions, your actions, votre pratique, your practice, vos évidences. Your evidence. Jésus a dû se cacher. Jesus had to hide. Joseph n'a pas été caché. Joseph was not hidden. Il a été tué. And he was killed. Il a été vendu. He was sold. L'héritier n'a pas été caché. He was not hidden. On l'a sacrifié. He was sacrificed. Faites attention, Église. Careful, church. Apprenez à vous cacher. Learn how to hide yourself. Apprenez à vous cacher. Learn how to hide yourself. Apprenez à cacher vos affaires. Learn how to hide your business. Quand tu vas travailler quelque part, when you work somewhere, et qu'on te dit la secrétaire si est bizarre, you are told that secretary is strange, faut d'abord l'éviter. First of all, avoid her. Et quand Dieu te dit c'est le moment de l'affronter, vas-y. When God sees the time to face her, ne lancez aucune bataille sans décision divine. Stand no battle without divine decision. Je répète, I repeat, ne lancez aucune contre-attaque. Stand no counter-attack sans autorisation divine. Without divine authorization. C'est pas parce qu'on vous a provoqué que vous devez répondre. It's not because you were provoked that you must reply. Celui qui te provoque a fait 2 jours et 2 nuits chez le marabout le week-end. You provoked, you spent 2 days and nights the week after the weekend. Toi, c'est à peine si tu es venu à l'église la semaine là. It's very that you came to the church that week. Comment tu vas répondre à une provocation sans t'équiper? How will you reply to that provocation without equipping yourself? Ne réponds pas aux provocations sans autorisation divine. Don't reply to provocation without divine authorization. Ce qu'ils sont en train de faire, what they have been doing, ils savent que si tu réagis, they know if you react, tels qu'ils ont fait le plan, as they plotted, tu t'exposes, you expose yourself, on te frappe. And they tu t'exposes, you expose yourself, on te détruit. They destroy tu t'exposes, you expose yourself, on te paralyse. They paralyze you. Beaucoup de chrétiens, vrais enfants de Dieu, many Christians, real children ont été of God, détruits parce qu'ils ont répondu. Because they replied. La première partie de mon message te dit ceci. The first part of my message says si tu n'es pas prêt, if you are not ready, cache-toi. Hide yourself. Si tu n'as pas l'âge, if you don't have age, cache-toi. Hide yourself. Si tu n'as pas le gabarit, if you don't have the cache-toi. Space, hide si yourself. Tu n'as pas le bagage spirituel, if you don't have the necessary cache-toi. Background, hide yourself. David s'est caché David hid himself. Chaque fois que Saül le poursuivait. Anytime Saul pursued him. David s'est caché David hid himself. Chaque fois que Saül le poursuivait. Every time Saul pursued tu sais quoi? You know what? Saül avait reçu l'onction royale. Saul received the royal anointing. Il était assis sur le trône. He was seated upon the David throne. Avait reçu l'onction royale. David received the royal il n'était pas anointing. Assis sur le trône. He was not seated upon the throne. Il y a une différence a difference entre celui qui a reçu l'onction between he received anointing et celui qui a pris fonction. And he will occupy the position. Quand celui qui t'attaque when he attacks, a l'onction et la fonction, anointing, cache-toi. Hide yourself. Il a fui fled. Parce que celui qui avait l'onction anointing, et la fonction function, était après lui. Il est directeur, director, tu es sous-directeur, fais attention. Le ministre t'attaque, comme tu es général, tu réponds, d'accord. De temps en temps, sometimes, vous dites que vous êtes à l'église you say you are in the church, et vous êtes bête. And you're insane. Alors que la Bible déclare the Bible que les enfants de lumière que nous sommes devraient être the children of the light you have plus avisés que les enfants des ténèbres. We should have been more warm than the children of darkness. Qui vous a dit que réciter les versets bibliques who has told you reciting biblical est un signe de sagesse? It's a sign of wisdom. Le problème n'est pas de réciter, c'est de comprendre ce que tu récites. The problem is to understand what you are reciting. David a l'onction, has mais il n'a pas la fonction. But not the function. Quand ton boss t'attaque, when your boss attacks you, en attendant de devenir boss, while waiting to become a boss, cache-toi.
Hide yourself. Hérode a l'onction royale. Hérode has a royal anointing. Et il occupe la fonction royale. And he occupies a royal. Jésus a l'onction royale. Jesus has a royal anointing. Mais il dort dans le panier. He's sleeping in the panier. Cache-le. Hide him. Le trône de Jésus à cette heure est un panier. The throne of Jesus was a basket. Rempli de plumes de chat, de chèvre, de chien, de poule. C'était son trône. It was his Mais le trône d'Hérode, the throne of Hero, avec les cornes, s'il attrapait Jésus, il étranglait. He will have stronger il fallait fuir. He needed to flee. Tu n'es pas encore prêt? You are not yet ready. Et que celui qui t'attaque est And prêt? Who attacks is ready. Cache-toi! Hide yourself. Le sorcier qui t'attaque est animé d'un esprit qui a 200 ans. The wizard who attacks is possessed by spirit with 200 years. Toi, tu n'as aucune force. You have no strength. Tu n'as aucun manteau sous lequel tu te caches. You hide yourself for no tu n'as aucun score dans l'église. You have no score in the church. Mais le sorcier qui t'attaque, il a peut-être 8 ans. Mais l'esprit qui l'anime a 300 ans. Tu peux combattre. Can you fight? Le sorcier qui t'attaque the a mangé 800 personnes. Has already eaten 800 il a bu le sang humain. Human il a blood. Déchiqueté les gens. Et toi, tu vas le combattre. And you fight tu n'as même pas encore fait un sacrifice qui te fait bouger un peu. Tu es un kamikaze. On appelle ça personne suicidaire. Tu vas te suicider. Après, tu vas dire, Jésus, c'est pour toi que j'ai fait ça. Jésus, c'est pour toi, ton pied est en train de gonfler. Jésus, je suis allé prêcher à ton nom. Le sang gonfle. Jésus, c'est pour toi. La tête fait mal. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Quand tu as l'onction et tu n'as pas la fonction, when you have anointing and not the function, il faut te cacher. Hide yourself. Là, tu parles d'abord de il faut se cacher. First of all, talking about hiding quand yourself, tu n'as pas la fonction, when you have no function, il faut te cacher. Hide yourself. Un pasteur établi a pastor who is appointed, t'attaque. Attacks you. Toi, tu es un pasteur qui n'est pas établi. And you, pastor, you are not appointed. Il faut faire attention. Be careful. Faut faire attention. Be careful. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, every time somebody attacks regarde you, son bagage. Look at his background. Regarde son histoire. Look at his story. Ne dis pas Jésus, Jésus, Jésus. Don't say Jesus. Jésus, tu récites là, respecte les principes. Jesus respects principles. Les lois de la terre earthly laws s'applique à toute personne qui vit sur la terre. Apply to every person living on the earth. Nous allons prier ce soir. We are going to pray tonight. Afin que tout ce qui a été fait contre nous, so that all what was done against us, pendant qu'on n'était pas caché, while we were not hidden, que cela soit détruit. Be destroyed. Nous allons prier ce soir. We are going to pray tonight. Afin que toute personne qui nous attaque, so that every person who attacks pendant us, qu'on se cache, while we are hiding ourselves, que ces personnes soient détruites. May that person be destroyed. Nous allons prier ce soir tonight, afin que Dieu nous équipe, for God to equip us, que Dieu nous prépare, for God to prepare que us, Dieu nous remplisse for God to fill us pendant qu'on se cache. While we are hiding ourselves. Nous allons prier ce soir tonight, afin que Dieu nous expose, for God to expose après s'être caché. After being hidden. Mets-toi debout, nous allons prier. Stand up, you are going to pray. Puissant guerrier, fort dans les combats, oh, Jéhovah est son nom, il est le puissant guerrier. Oh, yeah. Dans les combats, oh, il est le puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier dans les combats, oh. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, aïe, dans les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Église, nous allons prier ce soir. Parce que comme papa l'a dit, il y a des yeux méchants qui sont sur nous et on a besoin d'être cachés. Et la première cachette qu'on va invoquer ce soir, c'est le sang de Jésus. Écoute-moi. Papa le disait tout à l'heure, Dieu savait
que Hérode avait tout pour détruire le petit. Il fallait sécuriser sa vie. David savait que Saül avait tout pour le détruire. Il fallait sécuriser sa vie. Tu vas parler à Dieu d'abord ce soir, tu lui dis, Seigneur, que ton sang parle en ma faveur. Pourquoi le sang de Jésus dans la prière qu'on va faire? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices sataniques pour te détruire. Et lorsque nous on va faire appel à ce sang-là, la Bible dit que c'est ce sang qui parle plus que le sang d'Abel. Je ne connais pas le sacrifice satanique qu'on a fait contre toi et ta famille pour vous exterminer. Parce qu'on a vu que l'étoile commençait à briller. On va faire appel à ce sang ce soir pour parler en notre faveur. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus parle en ma faveur contre ceux qui veulent me détruire pendant que je prie en claquant les mains. Élève ta voix et prie. Que ce sang parle en ta faveur. Que ce sang crie en ta faveur. Dis, oh Dieu, ils ont multiplié des sacrifices. Ils ont multiplié des actions pour me détruire, pour m'exterminer par la puissance de ton sang. Oh Dieu, cache ma vie ce soir. Cache ma vie ce soir. Cache ma vie ce soir. Pendant que je prie, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis, oh Dieu, cache ma vie dans ton sang précieux. Cache ma vie dans ton sang précieux. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. On va demander la sagesse à Dieu. Parce que plusieurs personnes s'exposent par manque de sagesse. Joseph a manqué de sagesse, il s'est exposé. Mais l'autre Joseph a eu la sagesse de Dieu, il a su cacher la vie de sa famille. Tu vas dire à Dieu ce soir, ouvre mon esprit et dépose ta sagesse en moi, afin que je ne m'expose plus n'importe comment. Dis Père au nom de Jésus, donne-moi ta sagesse par ton esprit, afin que je devienne prudent. Pour ne plus m'exposer pendant que je prie en claquant les mains. Seigneur, donne-moi la sagesse. Dépose ta sagesse dans mon cœur. Que tout ce que je fais soit conduit par ton esprit. Oh Dieu, je refuse de m'exposer. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin que tu me parles. Oh Dieu, enseigne-moi ce soir. Ouvre mon esprit et dépose ta sagesse. Plus de sagesse encore. Pour que je sache me cacher. Pour que je sache me cacher. Que je ne m'expose plus. Oh Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. 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 Parle à Dieu ce soir. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Au nom de Jésus, amen. Dans cette sagesse-là, on va demander à Dieu. Parce que plusieurs s'exposent à cause du bavardage. Tu parles trop. Et la Bible dit que une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et j'ai envie de dire, une bouche qui parle trop ne manque pas d'exposer sa vie. Toi, personne n'est au courant de ce qui se fait dans ton intimité. Tu parles. Tu parles pourquoi? Tu vas dire à Dieu ce soir, donne-moi la capacité de retenir ma langue. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui te suit, c'est ce qui sort. Quand tu parles trop, tu t'exposes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de savoir retenir ma langue. Que je sache choisir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Donne-moi la capacité de retenir ma langue. De ne pas bavarder n'importe comment. Oh Dieu, donne-moi cette capacité pendant que je prie en claquant les mains. Seigneur, aide-moi à retenir ma langue. Aide-moi à ne plus trop parler. Je parle trop de ma vie. Seigneur, donne-moi la capacité.
de savoir retenir mes mots, de savoir retenir ma langue, de savoir retenir ma langue. Est-ce que nous pouvons prier? Oh Dieu, donne-moi cette capacité de choisir ce qu'il faut dire, de retenir mes mots, de ne plus exposer ma vie, exposer la vie de mes enfants à cause du bavardage, à cause du bavardage. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi par ton esprit. Aide-moi à tenir ma langue en bride, à tenir ma langue, que je ne bavarde plus, que je ne raconte plus tout. Oh Dieu, oh Dieu, est-ce que tu peux parler à Dieu? Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Voit le mal de loin. Écoute, tu vas demander à Dieu de te donner la vision de l'aigle ce soir. Afin que là où tu mets tes pieds, qu'il te donne la capacité d'anticiper et de voir la chose de loin. Parce que l'une des choses qui te font parler trop, c'est que tu ne sais pas ressentir dans quel type d'environnement tu te trouves. Il faut que Dieu te communique cet esprit. Donne-moi, amène bien. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la capacité de voir de loin. De voir le plan de l'ennemi de loin. Joseph n'a pas vu le projet de ses frères de loin. Ils ont su l'attraper. Dis Père au nom de Jésus. Donne-moi une longueur d'avance sur les ennemis de mon étoile. Sur les ennemis de ma destinée. Donne-moi la capacité de voir le plan de loin pendant que je prie en claquant les mains. Oh Dieu, donne-moi la capacité de voir le projet de loin, de voir le plan de loin, de voir les pièges de loin, de voir les pièges de loin. Seigneur, donne-moi la capacité. Ouvre mes yeux. Fais-moi voir de loin ce que mes ennemis ont prévu. Fais-moi voir de loin ce que les ennemis de ma vie ont préparé contre moi, ont préparé contre ma vie, ont préparé contre mon ministère. Que lorsqu'ils viendront avec la ruse, que j'ai la capacité. Tu vas dire à Dieu, comme tu dis dans ta parole, ne touchez pas à mes oies. Que ceux qui veulent me détruire soient exposés. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que les ennemis de ma destinée, ceux qui en veulent à ma vie, en secret, ceux qui font des plans contre moi, en secret, qu'ils soient exposés pendant que je prie en claquant les mains. Pendant que je prie en claquant les mains, qu'ils soient exposés. Demande à Dieu de les exposer. Les ennemis de ta destinée, qu'ils soient exposés. Que ceux qui veulent te détruire soient exposés. Que ceux qui préparent des coups contre toi soient exposés. Ils ont monté des pièges contre toi. Ils ont monté des personnes pour te faire tomber. Qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. Ceux qui veulent détruire tes enfants. Yes. Que ceux qui veulent détruire tes enfants soient exposés. Yes. Ils ont préparé des empoisonnements. Qu'ils soient exposés. Exposés. Qu'ils soient exposés. Exposés. Ceux qui veulent détruire ton enfant. Qui veulent détruire ton ministère. C'est ça. Qui veulent détruire ton poste. Travail. Qu'ils soient exposés. Exposés. Qu'ils soient exposés. Exposés. Pendant que tu pries. Yes. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure qu'on se cache dans le sang de Jésus. Maintenant, on va se cacher dans le feu. Amen. Yes. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, je voyais des jeunes personnes là qui ne prient pas. Peut-être tu as ta mère qui prie pour toi. Peut-être tu as ton père qui prie pour toi. Mais sache que si tu as une étoile, on va t'attaquer. Même quand tu es invité à l'église, il faut prier. Il s'agit de ta vie.
Le peuple d'Israël était accompagné par Dieu. Devant, il y avait une colonne de nuée. Derrière, il y avait une colonne de feu. Yes. Il n'y avait plus les Égyptiens. Ils étaient déjà dans le désert. Mais Dieu était prudent. On a écouté le témoignage de beaucoup de sorciers qui disent que parfois ils attaquent les enfants de Dieu la nuit et quand ils arrivent, ils voient seulement le feu. Est-ce que toi, on peut t'attaquer, on voit le feu chez toi? Est-ce que toi, on peut attaquer ton enfant, on voit le feu autour de ton enfant? Briller, c'est une chose, mais briller avec le feu, c'est une autre chose. Yes. Il y a une lumière qui attire les regards. Il y a une lumière qui effraie les ennemis. Si tu es une étoile, ça veut dire que tu as une lumière qui attire. Mais tu peux attirer avec ton étoile et quand ils viennent, ils t'anéantissent. Tu dois arriver à un stade où tu peux confesser, ils me feront la guerre, mais ils ne me feront aucun mal. Yes. Toi, toute personne qui rentre dans ta vie te fait quelque chose de bizarre. Parce que tu n'as pas le feu allumé. Tout le monde qui touche ton enfant, l'enfant tombe malade. Parce qu'il n'y a pas un feu autour de l'enfant. Tu vas prier que le feu de Dieu entoure ta vie, ton âme, ton esprit, ta maison, tes projets, yes, ta voiture. Yes. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que ton feu me cache. Que ton feu me cache. Que ton feu cache mon âme. Que ton feu cache mon âme. Que ton feu cache mon esprit. Que ton feu cache mon esprit. Que ton feu cache mon corps. Que ton feu cache mon corps. Que ton feu cache ma famille. Que ton feu cache ma famille. Que ton feu cache ma maison. Que ton feu cache ma maison. Que ton feu cache mes enfants. Que ton feu cache mes enfants. Que ton feu cache mes projets. Que ton feu cache mes projets. Que ton feu cache mes biens. Que ton feu cache mes biens. Oh Dieu. Oh Dieu. Entoure-moi de ton feu. Pendant que je prie. Entoure-moi de ton feu. Ma maison. Mes projets. Ma famille. Je veux le feu. Oh Dieu. Entoure cette église de feu. Entoure mes maisons de feu. Mes véhicules de feu. Mes projets de feu. Mes activités de feu. Mes enfants de feu. Le feu de Dieu. Entoure-moi de ton feu. Dans la nuit. Dans la journée. Le matin. À midi. Le soir. Au coucher. Au réveil. En marchant. En dormant. Étant assis. Au bureau. Au quartier. Au village. Je veux le feu. Le feu de Dieu. Sur ma famille. Sur mon église. Dans notre pays. Dans ce ministère. Le feu de Dieu. Dans ma boutique. Dans mes toilettes. Dans mon entreprise. Dans mon commerce. Allume le feu. Allume le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Suis tes enfants. Suis tes enfants. Suis ton fiancé. Suis ta fiancée. Ton compagnon. Ton mari. Ton épouse. Tes petits enfants. Seigneur, ton feu. Oh Dieu, ton feu. Ton feu. Suis mes affaires. Suis mes projets. Je veux le feu. Je veux le feu. Le feu de Dieu. Couvre-nous de ton feu. Couvre-nous. Embrasse-nous. Enveloppe-nous. Enveloppe-nous. J'ai besoin du feu. Seigneur, le feu. Seigneur, le feu. Seigneur, le feu. Dans cette église. Autour de cette église. À Douala, à la chapelle de la grâce, autour des pasteurs, des anciens, des évangélistes, des serviteurs, des diacres, des musiciens, des mamans de l'église,
les papas de l'église, les enfants de l'église. Seigneur, je veux le feu. Seigneur, ton feu. Le feu. La colonne de feu. La colonne de feu. Les chars de feu. Les chars de feu. Accompagne-moi. Partout où je vais aller. Par ton feu. Précède-moi. Suis-moi. Accompagne-moi. Entoure-moi. Enveloppe-moi. Suis mes enfants à l'étranger. Ceux qui sont en Belgique. Ceux qui sont en France. Ceux qui sont en Italie. Ceux qui sont en Suisse. Au Canada. Aux États-Unis. Partout où ils sont. Partout où la famille se trouve. À l'hôpital. Au travail, en prison, au village, au quartier, dans la maison, sur les véhicules, le feu de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Dis amen fort. Lève tes mains, je prie pour toi. Père, je prie pour l'église, afin que tu nous caches. Amen. Cache l'église. Amen. Fais-nous briller et cache-nous en même temps. Amen. Que la lumière qui attire soit manifeste. Yes. Que la lumière qui protège soit manifeste. Amen. Que chacun de nous brille dans sa saison. Amen. Que chacun de nous brille dans son domaine d'activité. Amen. Que chacun de nous brille dans ce qu'il fait. Amen. Et que ton onction nous cache au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de mort, d'accident, de blocage, d'incident, de poison, dirigé contre nous, retourne à l'envoyeur. Amen. Retourne à l'envoyeur. Amen. Retourne à l'envoyeur. Amen. Je prie pour toi et ta famille. Yes. Aucun de tes enfants ne sera détruit. Amen. Aucun membre de ta famille ne sera détruit. Amen. Que le feu de Dieu couvre toute ta famille. Amen. Que l'onction de Dieu couvre toute ta famille. Amen. Que la grâce de Dieu couvre toute ta famille. Amen. Que la puissance de Dieu couvre toute ta famille. Amen. Que la puissance de Dieu couvre toute ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis encore amen. Amen. Donne-moi un dernier amen. Amen. Acclame Jésus, assieds-toi de te bénisse. Amen.